Bon matin, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche matin, on allait dire lundi matin. Non, on est dimanche matin. Là, ce matin, j'ai fait mon lit, je me suis habillée. Je me suis habillée vraiment, vraiment, vraiment cosy, relax et confortable parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée reset à la maison. Donc, nous préparer pour la semaine. Aussi, je voudrais faire des repas pour les enfants. Dans le fond, cette semaine, ils ont 5 jours d'école. Fait que je voudrais faire comme 4 repas, puis me garder comme un repas de restants, tu mettons les restants du souper et tout. Donc, ça risque d'être ça. Fait que je vais essayer de trouver 4 repas à faire pour la semaine. Je vais vous montrer c'est quoi les repas que je vais faire. C'est jamais vraiment compliqué pour les lunchs des enfants, honnêtement, parce que, tu sais, je vais pas commencer à faire du filet mignon et, tu sais, des patates dauphinoises et tout ça, on s'entend, là. Fait que ça va être en plus comme des pâtes du riz, puis comme, on va voir. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire ça ce matin. Après-midi, je compte m'entraîner. Ça fait comme 3 jours que je me suis pas entraînée parce que j'étais comme over-occupée. Puis je sais que c'est pas une excuse, mais honnêtement, c'est vraiment vrai. Donc, tu sais, je travaillais de 8h le matin à 4h30 le soir. Après ça, dès que ma mère finissait genre à 5h, mettons jeudi, dès qu'elle finissait à 5h, on montait, on allait faire l'épicerie pour le buffet du Charbon, dans le fond. De ma soeur que vous avez vu, les vlogs de hier là, et avant-hier, mais c'est ça. Fait qu'on est allé faire ça jeudi. Vendredi, on a fait le. J'ai travaillé de 8h le matin à 4h30 le soir. J'ai entendu que ma mère termine. Ma mère a terminé à 5h de travailler vendredi. Après ça, on a fait le buffet jusqu'à 10h30 le soir. Fait que c'est comme 2 shifts là, dans le fond là, qu'on n'a pas lâché. Tu sais, on n'a même pas pris le temps de souper là, hier, avant-hier. Là. Fait que c'est vraiment intense. Puis hier c'était samedi, c'était le shower, donc toute la journée, on était à la maison. Pour pas être à la maison, toute la journée, on était. Dans le fond, le matin, j'ai comme pris un peu de temps de me lever, là. Tu sais, je me suis pas levée à 5 heures, je me suis levée un petit peu plus tôt. J'aurais pu m'entraîner hier matin, honnêtement, mais je l'ai juste pas faite parce que j'étais juste vraiment brûlée de mes 2 journées de la veille. Enfin, je me sentais juste comme pas capable, mais j'aurais été probablement capable, là, mais c'est vraiment des excuses de merde. Mais c'est ça. Fait que hier matin, on a fait ça vite vite là. J'ai comme ramassé tout ce que je pouvais pour le shower. Après ça, parce qu'il y avait des trucs que j'utilisais de la maison aussi. Après ça, ma mère est venue me chercher à midi. On est parti au shower. Ben, chez ma soeur, on a fait toutes les décos dans l'après-midi. Le soir, c'était la soirée, le souper, le buffet et tout. Donc on est comme pas mal là. Ça fait comme 3 jours que je rush vraiment, que je fais beaucoup de choses. Fait que c'est comme pour ça que je me suis pas entraînée durant les 3 derniers jours. Parce qu'honnêtement, à part hier matin, je sais pas quand j'aurais pu m'entraîner, mais jeudi, vendredi, honnêtement. Mais bon, fait qu'aujourd'hui, je vais reprendre ça. Faudrait que je m'entraîne. Ben, je vais m'entraîner en après-midi avec Émilie probablement. Puis aussi, on veut rattraper aussi nos émissions parce que vu que j'ai comme pas été là jeudi, vendredi, j'ai comme des petites émissions à rattraper. Fait qu'on va pas mal écouter ça. J'ai un MasterChef, un Big Brother, puis j'ai Zénith à écouter. Fait qu'on va comme rattraper ces émissions-là pour pouvoir arriver comme dans la nouvelle semaine avec les nouvelles émissions sans avoir trop de retard, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis c'est ça. Pour souper, je sais pas qu'est-ce qu'on va souper. On va voir. Je vais checker ça. Puis ça ressemble à ça. Fait que je vous amène avec moi dans ma petite journée. Moi, je vais vraiment rester à la maison. Mon chum, lui, va aller faire des petites commissions. À au pire, il pourrait vous montrer un petit haul de ses achats tantôt. Dans le fond, il va aller au Maxi puis au Walmart aller chercher des fruits et légumes. Ça ressemble à ça. Fait qu'honnêtement, il va amener genre toutes les 2 filles, là. Nicolas, lui, reste dans sa chambre, là. C'est un vrai ado. Mais il va amener les 2 filles avec lui pour pouvoir me laisser de l'espace pour faire les repas et tout. D'être comme vraiment dans ma bulle, ça va être vraiment plus facile, plus simple et plus rapide. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vous amène avec moi aujourd'hui. Puis je vous reparle tantôt. Là, je m'en vais manger les restants de buffet. Y a-t-il quelque chose de meilleur que les restants de buffet? Je vous en ai déjà parlé. Mais c'est ça. Hier au buffet, on a comme tout le monde a comme ramené un peu de trucs. Fait que là, aujourd'hui, ce matin, je vais manger genre les restants de buffet. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comme restant de buffet. Puis, c'est ça, j'ai vraiment faim. Ce temps-ci, j'ai vraiment faim. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, en tout cas, sur la vie, peut-être que je suis genre dans mes symptômes prémenstruels aussi. Mais ouais, je n'ai toujours pas eu mes règles depuis le mois de novembre. C'est vraiment intense, mais bon. Ceux qui savent, savent, les SOPK, c'est vraiment un de nos symptômes. Fait que, en tout cas, fait que sur ce, je vous laisse. Puis, je vous parle plus tard.
Bon, donc, mon déjeuner, ça va être ça. Donc, les petits sandwichs ici, j'avais enlevé comme le cure-dent, là. Le cure-dent? Ouais, le cure-dent. Des raisins, des petits ananas, un petit morceau de brie. C'est tellement bon. J'en ai même pas mangé hier. Puis des salamis piquants. J'aime mieux le salami pas piquant, là, mais je vais essayer de le manger pareil. Fait que ça ressemble à ça pour mon petit déjeuner post-buffet du shower. Donc, mes quatre recettes, je les ai mis ici. Fait que je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Ici, ça va être un riz au poulet. Donc, j'avais ce riz-là que j'avais payé vraiment pas cher. En tout cas, j'ai jamais essayé. C'est comme du riz en sachet là, que je vais comme. Ben, je l'ai essayé une fois, je veux dire. Mais je ne traite pas dessus, mais en tout cas, je vais le passer. Donc, un riz au poulet. Donc, ça, c'est le poulet de HelloFresh. On n'a pas fait les recettes cette semaine à cause que j'ai pas été là vraiment. Finalement, là, j'avais comme pas mal. J'avais mal calculé mes affaires. Donc, je vais mettre des. Ça, c'est des. Je vais couper comme les languettes de poulet en petits cubes. Je vais mettre des oignons verts. Je vais mettre une canne de maïs en crème. Les enfants adorent ça, mettre ça dedans, le riz au poulet. Ils aiment vraiment ça. Puis, je vais rajouter un poivron. Puis, comme épices, je vais mettre les épices souvlaki au poulet. Ça va être vraiment bon. L'autre jour, j'avais fait ça. C'est parce que j'avais plus le sachet épicure riz frit au poulet. Fait que je vais prendre celui-là ici. Il m'en reste juste un petit peu. Fait que je vais mettre ça. Puis, je vais rajouter genre sel, poivre. Puis, ça va être pas mal ça. Je vais goûter. Puis, si jamais, je vais rajouter des épices peut-être. Mais pour l'instant, ça va être ça. Mon deuxième repas, ça va être des boulettes. Émilie m'a demandé des boulettes. Donc, boulettes. Je vais prendre les épices cheesesteak à la Philly. Tu peux vraiment faire qu'est-ce que tu veux avec les sachets. Là. Puis moi, honnêtement, je fais juste regarder en arrière, genre, les ingrédients. Puis, tu sais, je trouve que ça fit pour des boulettes. Fait que, en tout cas, fait que je vais me faire des petites boulettes avec de la dinde hachée, de HelloFresh encore une fois. Dans les boulettes, je vais rajouter de la sauce Worcestershire. En tout cas, de la purée d'ail. Puis, je vais faire à côté de tout ça. Ça va être comme pour mes boulettes. Puis, à côté, je vais faire un riz au poulet comme ça. Je vais rajouter les oignons dedans. Je vais les recouper parce qu'ils sont comme trop gros, là. Des oignons, encore une fois, de HelloFresh. Je vais mettre un poivron. Puis, je vais rajouter un peu de chou Bruxelles comme coupé en petits morceaux, là. Vraiment pas gros. Ensuite, je vais faire un bon vieux macaron à la viande. Donc, pâte, soupe tomate. Oignon, puis bœuf haché maigre, puis ma mère met toujours un peu de Bovril au poulet dans la viande quand elle la fait cuire, puis ça a l'air que c'est genre meilleur. Ben, en tout cas, moi, chaque fois que j'y mange son macaron à la viande, je trouve vraiment meilleur que lui je fais. Fait que j'ai comme décidé d'essayer ça, de le mettre dans la viande pour goûter. Donc, ça va être ça, puis je vais mettre genre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Puis, dernière recette, ça, c'est comme une recette vide frigo. Donc, je vais faire des pâtes. Quand tu as genre plein de trucs que tu veux mettre, honnêtement, des pâtes, c'est genre la meilleure chose. Un restant d'épinards, je vais comme le hacher finement. J'ai un restant de saucisse. Un restant de saucisse à hot dog, genre, je vais comme la couper en petits morceaux. J'ai aussi un restant de fromage cottage. Fait que je vais le mettre dedans pour en rajouter. Tu sais, genre, il m'en reste vraiment pas beaucoup, genre la moitié. Mais je vais comme pas le manger ni aujourd'hui ni demain. Et regardez mon bobo. Ça commence. Il est vraiment. En tout cas, je me suis coupée il y a 2 jours, là, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est ça. Fait que ça. Puis j'ai un restant de sauce. Mon chum a fait des pains fourrés à la viande. Fait que je vais rajouter ça dans les pâtes. Je vais mettre ça avec. Mais je pense que je vais le mettre genre dans le blender un peu. Je sais pas, en tout cas, on va voir. Puis, je vais rajouter, je sais pas quoi. En tout cas, je vais regarder avec le. Moi, je vais y aller vraiment au feeling. Si je trouve que c'est trop épais, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais rajouter pour le liquifier un peu. Mais honnêtement, ça va me faire des bonnes pâtes, je pense. Un peu genre style sauce rosée, un peu. Tu sais, vu qu'on met comme fromage. En tout cas, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis, ça ressemble à ça. Puis, tu sais, le mélange-là, il est quand même assez épicé. Ben, pas épicé, mais tu sais, il a assez de goût, là. J'ai pas besoin de rajouter vraiment d'épices, je crois. Fait que ça va être vraiment parfait. Donc, ça va être ça, mes 4 repas. Faut que je fasse ça ce matin. Fait que j'embraye parce que j'ai du pain sur la planche. Thank you.
Bon, donc voilà la première recette. Fait que comme je vous ai dit, c'est vraiment une recette vide frigo. Donc je suis allée avec ce que j'avais ici à la maison. Puis j'ai rajouté finalement une soupe tomate. Une soupe tomate comme ça, là. J'en ai rajouté une parce que je trouvais que c'était comme pas assez liquide. Donc comme ça, je trouve ça vraiment parfait. Je vais le mettre dans des bols puis je vais goûter voir si c'est bon. Bon, fait que je suis vraiment contente. Ça m'a fait un gros bol pour les enfants pour un lunch, puis trois lunchs à mon chum. Fait que je vous retourne d'abord, puis on va goûter ensemble, voir si c'est bon. Bon, fait que là, regardez-moi pas la peignure, là. Sérieux, je suis vraiment dure aujourd'hui. Mais c'est une journée qu'on relaxe et qu'on fait des trucs à la maison, donc j'ai pas à me préparer, honnêtement. Voilà. C'est super bon. Mmh. 10 sur 10. Bon, là, mes nouilles de macaroni à la viande sont en train de cuire. Elles sont pas encore prêtes, mais dans pas long. J'ai fait ma petite sauce. Puis là, je suis en train de préparer mon riz pour le riz qui va accompagner les boulettes. Donc, j'ai coupé des choux Bruxelles vraiment en petits morceaux. Piment rouge, piment orange. Puis, j'ai des petits oignons, là, le ceux de Hello Fresh, là, il y avait genre, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, là, mais tu sais, ils sont comme tout tirés à ses côtés. Fait que je vais pouvoir mettre ça dans mon petit riz aux légumes. Ben, mon riz comme ça, là, au poulet. Fait que je vais me rajouter des légumes dedans. Puis après ça, je vais faire les petites boulettes pendant que, quand ça va être terminé, en fait. Deuxième recette sur 4 de fête. Fait que je suis vraiment contente. Finalement, ça m'a pris 3 soupes tomates. Fait que j'en ai racheté une autre, là, parce que je trouvais qu'il en manquait. Donc, voyons, deuxième recette de fête sur 4. Donc, ça m'a fait un repas pour les enfants, pour les lunchs, puis 2 repas pour mon chum. Fait que un autre repas de fête. Y a-t-il quelque chose de plus plate que d'enlever le maudit riz dans la canne de même? Honnêtement, à chaque fois que je fais ça, j'ai peur de me casser, genre, de me couper la main au complet, là. Genre, à chaque fois, là. Je sais pas si vous avez un truc, mais moi, mon seul truc que j'ai, c'est... Je vais aller chercher, là. C'est avec une fourchette, puis j'essaye de sortir ça du mieux que je peux. Mais honnêtement, là, tu sais, genre, j'essaye de toutes les bords. Puis là, un moment donné, ça finit que ça tombe, là. Mais honnêtement, j'haïs ça pour mourir. Bon, fait que là, mes légumes sont prêts ici. Mon riz va cuire, là. C'est comme la prochaine étape. Après ça, je vais mettre les légumes dans le riz. J'ai mis le mélange pour mes boulettes, donc dinde hachée, sauce Worcestershire avec la purée d'ail, puis c'était quoi l'autre chose? J'ai mis la chapelure ici, donc chapelure à l'italienne, ça fait genre 1000 ans que j'ai ça là, pour vrai. Là. Je l'avais à l'autre, à mon ancien appartement, avant que je l'en amenais, là, ça fait genre 3 ans, sûrement que ça reste bon longtemps, là. Mais il me reste juste ça ici. Fait que c'était un genre 600 grammes, mais genre, tu sais, j'en mets pas partout, là. Fait que ça m'a vraiment fait longtemps. Fait que là, je vais comme façonner ça en boulettes. Je pense pas que j'ai mis d'autres choses. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Chapelure, sauce Worcestershire, purée d'ail, ma dinde hachée. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Je vais rajouter peut-être un petit peu de sel. Puis, je vais faire cuire dans du beurre. Mon beurre, il est déjà fondu, là, parce que vu que je fais full de bouffe, là, mon poêle, il est déjà chaud, là. Fait que mon beurre a déjà fondu, mais c'est ça. Fait que je vais faire des petites boulettes, puis ça va être super bon, c'est sûr. Les enfants vont être vraiment contents. Bon, fait que ça ressemble à ça, mes petites boulettes. Ça m'a fait genre 11 boulettes, fait que c'est parfait. Pour genre un repas à mon chum, un repas à les deux enfants, fait que ça va être vraiment parfait. Puis j'avais oublié, j'avais mis ça aussi. J'avais oublié de vous dire, j'avais mis ça aussi dans dans le mélange à boulettes. Le cheese steak à la Philly. Fait que ça va être vraiment bon, c'est sûr. Le riz est bientôt prêt. Fait que là, j'attends qu'il soit un petit peu plus chaud, après ça, je vais racheter les légumes dedans. Bon, fait que j'ai fini le riz. Le riz est ici. Les boulettes sont là. Les enfants, je les ai mis comme à part parce que, tu sais, on s'entend, là, je vais mettre dans le thermos, donc je vais faire mettre le riz dans le fond puis les boulettes par-dessus. Puis, mon chum, j'ai fait un lunch, fait qu'il y a le riz dans le fond et les boulettes. Puis, comme sauce, j'ai rajouté ici boulettes de viande, miel et ail. Fait que j'ai mis juste un petit peu de sachet avec du miel. Dans le fond, les autres, c'est ça,
la façon de faire, là, c'est juste de l'eau, du miel, puis les épices, là. Fait que ça va être ça pour le troisième repas de terminé. Allô tout le monde! Je viens de revenir de l'épicerie avec mes deux filles. Hey, chnatch! Fait que je vais vous montrer les petits sachets que j'ai achetés. Oh, on va commencer avec le spicy. Les fraises. 4 carreaux de fraises. J'ai acheté un sac de 4 piments. Ça, c'était juste au spicy. Ça, on va faire le Walmart. Les murs. Non, c'est pas Walmart, ça, finalement. C'est au Maxi, ça. Parce que c'est au Maxi, les asperges étaient en spécial. J'ai acheté 4 choses d'asperges. Deux ananas. Ça, c'était au Maxi. Ah, avec une poche de manche hachée. Là, ça va être le Walmart. Tes raisins. Tes patates douces. Quatre cocombres. Des bananes. Un petit sac de chocolat pour moi. Chocolat noir. Chocolat noir. Moi, j'aime ça, chocolat noir. Pas mal, juste moi qui aime ça ici. Mais moi, je suis capable. C'est à moi, j'ai dit. Puis j'ai été voir les rabais au Walmart. T'as la viande, il y avait des rabais. Fait que j'ai acheté du porc haché. Puis j'ai acheté des boulettes comme l'autre fois qu'on avait acheté. Fait que c'est. Ah, aussi, ça c'était au spicy. Vu que la petite Juliana était quand même bien faite ça au magasin, fait que j'ai acheté un petit livre de Pâques. Elle voulait l'avoir, fait que je fais ah, ok. J'ai acheté ça. Ça t'a coûté combien? Je sais pas. À peu près? Et avec tout ça, ça doit avoir à peu près 100$. Environ. Fait que c'était pas grand chose, mais ça va être pas mal des fruits et des légumes pour la semaine. Parce qu'on va aller faire fait, les skis, C'est beau, hey! Bon, fait que j'ai coupé le poulet, j'ai coupé les légumes, donc poivron, puis oignon vert, puis je vais mettre des maïs, puis c'est ça. Fait que là, le riz, il est dans ça. Je vais faire cuire le poulet, puis après ça, je vais faire cuire les légumes. Puis après ça, ben je vais tout mettre ça ensemble avec le sachet ici, si vous laquez au poulet un petit peu. Puis je vais regarder là, qu'est-ce que je rajoute au fur et à mesure, là, je vais voir. Dans mon poulet, j'ai rajouté un peu de miel à la fin quand il était prêt. Fait que ça fait un peu un petit glaze. J'aime vraiment ça quand je fais ça. Ça fait vraiment bon. Fait que là, je suis en train de faire revenir mes légumes dans un petit peu d'huile. Puis quand ça va être pas mal prêt, je vais rajouter la canne de maïs parce que c'est comme pas long à faire cuire ça là. Fait que ça va être ça. Puis mon riz est en train de cuire. Ça sera pas bien long, il va être prêt lui. Fait que c'est ça. Bon, donc, Bon, donc, comme vous avez vu, mon chum est allé à l'épicerie avec les filles, puis il vous a montré le haul, mais c'est comme juste les petites affaires pour passer la semaine, parce qu'en fait, semaine, on va aller faire une grosse épicerie. Puis là, Émilie, pendant que je faisais les recettes, Émilie nous a full aidé. Elle a fait toutes les... Ben, elle a coupé les asperges. Ici, là, attendez, je vous tourne de bord, je vous montre. Elle a mis les asperges dans le bol à asperges, là. Enfin, elle a coupé les bouts, là, comme que je lui avais demandé. Elle a mis tous les raisins dans le pot. Elle les a toutes enlevées. Elle les a lavées aussi. Puis elle a coupé toutes les fraises. Regardez, on a genre 1000 fraises. Je suis tellement contente. Fait qu'on a plein de fraises à enlever toutes les queues, mais on les lave pas parce que sinon ça vient dégueulasse. On va les laver au fur et à mesure. Fait que ça ressemble à ça pour. Oups!
pour ce qu'Emily a fait. Fait que je suis vraiment contente. Merci, Emily. Bon, fait que voilà le riz. Fait que je trouve vraiment qu'il a l'air bon. Honnêtement, j'ai pas mis de sauce. Je me demande si je vais en mettre. Je vais peut-être juste mettre une petite affaire de sauce soya. Mais honnêtement, je pense que même de même, ça va être juste parfait. Ouais, comme je vous dis, peut-être une petite affaire de sauce soya, mais il a l'air vraiment bon. Fait que je suis vraiment contente. Emily est en train de laver de la vaisselle. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait mes 4 recettes. Fait que je suis vraiment contente. Les 4 repas des enfants sont faits pour la semaine. Fait qu'il va juste rester une recette à faire. En restant durant la semaine, ce qu'on va faire. Fait que ça va être vraiment plus le fun. Puis, c'est ça. Fait que je voulais vous montrer mes petites recettes cette semaine pour la semaine. Puis, ça ressemble à ça. Là, je vais comme dîner. Puis, j'aimerais rechecker les menus de la semaine. Puis, je pourrais vous dire les menus de la semaine après. Pour vous dire, dans le fond, ce qu'on mange cette semaine pour les soupers. Puis, c'est ça. Ok, je vous reviens. Je vous reparle plus tard. J'avais un restant de pain sous-marin ici que mon chum a acheté cette semaine quand je soupais pas à la maison. Il a décidé de se faire des sous-marins avec ça. Fait que là, il m'en restait comme 3. Fait que j'ai décidé de faire des sandwichs aux œufs avec les pains pour les déjeuners de mon chum. Fait que je vais préparer ça. Je vais y faire ça. Mon chum, il a tout épluché. Fait que je suis contente. Puis, j'ai parti une batch de muffins au four aux bananes et chocolat. Donc, ça va être des petites collations, desserts pour la semaine. Puis après ça, je vais avoir tout terminé ma meal prep. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Fait que là, je fais ça. Puis après ça, je vais pas mal aller relaxer un peu en mangeant mon dîner. Puis après ça, on va s'entraîner quand je vais avoir digéré un peu. Là. Fait que ça ressemble à ça. Puis honnêtement, là, ma gourde comme ça, là, je l'aime tellement. Honnêtement, là, c'est ma préférée. C'est vraiment, vraiment le fun. Genre, il faut au moins que je la remplis 2 fois par jour. Ben, une fois par jour. Tu mettons, je la remplis le matin, puis je la remplis, genre, mettons, vers l'après-midi. Puis ça me fait, genre, 2 litres d'eau par jour. Fait que ça, je suis vraiment contente. Je bois plus d'eau. Fait que c'est vraiment le fun. Bon, fait que là, j'ai comme relaxé, on a écouté nos 2 émissions, puis là, Juliana a fait sa sieste. Oui, t'as fait dodo. Oui, t'as fait dodo dans ton lit. Maman a peur. T'as eu peur? Oui. Pourquoi? La patate. Hein? Fait que là, on s'apprête à s'entraîner. C'est vraiment laid, ma camisole est comme trop longue, mes bretelles. Fait que là, on va aller s'entraîner, moi puis Emily, puis après ça, on va aller faire le souper. Il est comme 4h30. Puis après ça, Juliana, 2 minutes. Après ça, ben, on va pouvoir. Oui, papa, il est parti chercher du lait à l'épicerie. Pour Nana. Ouais. Là, je vais juste essayer de trouver ma chaîne YouTube. Bon, fait que c'est ça, je vais m'entraîner, puis après ça, on va souper. On va aller prendre nos douches, puis on va écouter nos émissions à soir, nos émissions du dimanche, comme pas mal, beaucoup de gens, là. Donc, c'est ça. Fait que je pense que le vlog va se terminer ainsi. Je suis contente, j'ai fait full de meal prep aujourd'hui. Dans ce temps-là, on dirait que je commence la semaine toujours plus légère. Donc, je suis vraiment contente. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais m'entraîner, puis je vais vous fermer le vlog. Donc, merci d'avoir été là durant les 4 derniers jours. Puis nous, on va se revoir jeudi pour un nouveau vlog. Donc, bonne semaine, puis on se revoit jeudi.